si tu devais décrire ta femme en un seul mot. Si je devais décrire ma femme en un seul mot. Je sais pas, frère. Tu me poses des questions. Moi, je suis un loup-garou. Je suis très honteux dans cette, pour ce truc-là. Je suis gêné de ouf, frère. Tu vas avoir des problèmes, hein. Tu me mets mal à l'aise. Non, non, j'aurais aucun problème. Pourquoi j'aurais avoir des problèmes? Je suis un mec bien, moi. Non, 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 mais je veux dire, tu me mets mal à l'aise de ouf. De ouf. Je suis super mal à l'aise. Arrête avec tes histoires de. Charisme déstabilisé. On va parler de ta fille maintenant. Charisme déstabilisé. Ouais, laisse tomber, frère. Tu m'as cassé les couilles avec tes histoires. Les histoires de ce qu'il raconte. Ouais. Ça va, Maël? Ça va, tranquille, et toi? Ça va. Cool. Je voulais savoir, tu vois, dans tes sons, tu fais souvent référence soit à la rue, tu vois, soit à la femme. Mmh. Et aujourd'hui, bah, c'est quoi tes rapports justement avec la rue et les femmes via ta célébrité? Ça a dû changer, non? Ah, tu veux savoir si je suis célibataire? En même temps, c'est une très bonne question parce que ton dernier morceau, Street, t'es marié à la rue. Ouais, je suis marié à la street. Bah, je suis toujours dans la rue, mais on va dire, disons que je suis de l'autre côté de la caisse. Je suis de l'autre côté de la caisse et dans la vie de tous les jours, je suis marié. Hein. Ça fait plus d'un an. Parce que dans la vie de tous les jours, t'as eu déjà Maëlys, elle a rigolé, puis après elle a fait. Elle est en train de rigoler, après c'est monté au cerveau, elle dit « Ah non, merde, non. Il est marié depuis un an !» C'est noir. Non, ce morceau, il m'a fait penser un peu à Recul, tu vois. Le morceau qui était dans des précédents projets, tu vois. À peu près, parce que Recul, en vrai, je parle, c'est pas une histoire, Recul, tu vois. Je me livre un peu, ouais, voilà, je parle de moi, et tu vois. Ouais. Alors que là, c'est, je te raconte un truc, frère. Non, mais ça part de ce côté amour, justement, où il y a ce côté où il y a l'amour qui est parti toujours du sacrifice, tu vois, dans un couple, tu vois, il faut faire des choix, et il y a ce côté où, même par rapport au train de vie que tu vois, quand t'es un peu le mec de cité, tu vois, et qu'il t'arrive plein de trucs, et finalement, tu dois faire des choix, et l'amour, parfois, c'est un peu un sacrifice, tu vois, quand t'es dans la rue, en fait, tu vois, tu choisis, parfois, c'est même, tu choisis l'argent que l'amour, tu vois, il y a ce truc-là. Et Recul, c'est un peu ça, tu vois, où tu dis finalement. Non, tu dis n'importe quoi là. Non, c'est vrai que tu dis souvent que t'as pas le temps pour l'amour. T'as pas le temps pour l'amour et tout, c'est un truc qui revient souvent. C'est vrai, mais. Te prends quoi, tout ton temps. C'est moi, je le veux pas. Après, moi, comme je dis, c'est pour ouvrir son cœur, faut avoir des couilles pour le faire. Bien sûr. Pardonne-moi l'expression. Non, mais tu peux y aller, voilà, j'en ai aussi d'ailleurs. Ouais, c'est ça qui fait peur. Non, mais voilà, c'est que justement, moi je me suis dit que j'allais plus choquer les gens avec tout ce qui m'est arrivé, justement, la cavale, la prison, la drogue, voilà, le milieu, comme tu dirais. Mais tu sais, je sais pas, j'ai tourné en prison quand même, je ne veux pas te dire que j'ai vécu toute ma vie là-bas. Mmh. Je suis allé quand même 4 fois en prison, j'ai vu la prison, je la connais la prison, j'ai vu des gens qui sont restés longtemps en prison, et crois-moi qu'à la fin, ces mecs-là, hein, les gens qui sont restés le plus proches d'eux sont souvent, et même pour quasiment tout le temps, leur famille et leurs femmes. Mmh. Leurs amis, tu sais, au bout de 10 ans, 12 ans, 14 ans, tu commences à tourner, tes potes, ils t'écrivent 4 mois, 6 mois. Les meilleurs, ils vont t'écrire, allez, 1 an, 2 ans, jusqu'à 5 ans. Mais tu crois que ton pote, il va rester 15 ans à t'assumer. Ça y est, au bout d'un moment, le mec, il a fait sa vie, il a ses problèmes, son loyer à payer, ses charges, ses enfants, vite, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc à la fin, au final, il reste que ta femme. Ma femme, elle a plus de couilles que tous mes potes. Tous ils m'ont lâché, l'autre je leur ai fait ça, au final il me restait que ma femme. Ouais. Donc pour moi, franchement, les femmes, il fallait leur faire une grosse dédicace et je me suis senti dans l'obligation de rappeler aussi pour les femmes. Les femmes, elles ont besoin d'entendre ces petits mots d'amour. Si leurs mecs ils leur disent pas, bah je vais écouter la petite musique, c'est moi qui vais leur dire. Il y a des mecs qui sont encore plus dans la street que moi et frère, ils sont mariés, ils ont des enfants. Oui, non mais bien sûr, non mais je dis pas ça, mais c'est sûr que quand t'es dans ce train de vie là, parfois tu fais ce choix là aussi des fois, tu vois. Mais en vrai, t'es pas obligé de faire ce choix-là. Non, t'es pas obligé. Mais il y en a beaucoup aussi qui font ce choix-là. Tu vois, qui revient souvent justement parce qu'ils disent que là, c'est le moment de faire l'argent. Et du coup, ils mettent de côté un peu l'amour, tu vois. Et le côté de s'attacher à quelqu'un. Moi, je trouve que ça revient souvent, tu vois, dans le rap. Ouais, t'as raison. T'as raison, ouais, mais. C'est un choix. Parce que tu le dis, finalement, prends du recul parce que ton cœur il va exploser. Tu vois, t'attaches pas à moi parce que je suis un bandit un peu. Après, tu dis ça. Tu conseilles la meuf, là, tu parles pas. Là, non, mais dans le morceau, dans Recul, tu dis ça un petit peu. Ouais, je le dis. Mais quand je le dis, c'est pas moi qui va m'écarter d'elle, c'est elle qui doit s'écarter. Oui, c'est exactement parce que t'as un train de vie particulier. Mais après, il y a des meufs qui acceptent aussi, tu vois. Mais bien sûr, mais toi, tu la mets en garde, justement. Ouais, voilà. Dans ta sélection de clips, il y a American Boy, d'Estelle et Kanye West. On regarde. Really you. You'll be my American boy.
Pourquoi t'as choisi ce morceau ? J'ai choisi ce morceau parce que c'est le morceau de moi et ma femme. C'est notre musique depuis qu'on a 19 ans, 20 ans. Et c'est voilà, dans des relations, on a toujours ça, c'est notre musique. Et c'est surtout le fait que ma carrière, elle a changé. Vraiment, j'ai connu une ascension assez fulgurante. Et dès lors que je me suis mis sérieux. Tu vois, au début de ce couplet, j'ai dit on s'attache, on s'arrache, on se détache. L'amour est souvent le sentiment qui arrive avant la peine. Mais j'ai plus envie de vivre la peine. Donc, Cupidon, ça y est, je l'ai déjà. Il est dans mon coffre, en fait, déjà. Mon cœur, il est scellé. Aujourd'hui, je pense pas que je vais encore tomber amoureux. Parce que, comme j'ai dit, l'amour, après, il y a la peine. Je veux plus la peine. Si j'ai beaucoup souffert, ouais, j'ai souffert. Aujourd'hui, je suis plus avec elle et on a deux bijoux, mais on n'est pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dur un peu. Mais c'est mon choix. J'allais ces choses-là avec la poche. Mais ouais, je peux guérir, non, je pense pas. C'était une longue histoire. J'ai fait 7 ans avec elle. Pour moi, c'est énorme. 7 ans. Il faut s'adapter, comme je disais à chaque fois. Je m'adapte. Fusil, je l'ai posé parce que voilà, j'ai eu des épreuves difficiles pendant que j'enregistrais à 7. J'ai perdu une amie, j'ai perdu entre guillemets ma copine avec qui ça faisait 7 ans que j'étais avec. Et du coup, c'est des trucs, tu as vu, on est des hommes, frère, on sait que notre point faible, c'est la femme. Quand tu perds des poteaux, ça t'affaiblit. Quand tu es loin de tes poteaux, c'est encore plus dur à vivre. Et que tu sois dans une chambre, 5, 6 étoiles, ça change rien, frère. Et du coup, voilà, ce son il élargit le panel à 7. Vous vous êtes rencontrés à 14 ans ? Ouais. 14 ans, moi j'avais 16 ans. Ouais, on a 2 ans d'écart. Ouais. Et toi, tu l'as vu, t'as kiffé ? Moi, j'ai kiffé direct et surtout son prénom. Toute la journée, je me suis répété son prénom. Pourquoi ? Carinal, Carinal. C'est la première fois que j'entendais. C'était vrai. Exotique de malade. Non, de ouf. Le plan, il était bien ficelé. J'étais en guet-apens, moi. Je faisais genre, je venais voir mon Srab et tout, mais non, je voulais. J'étais en guet-apens. On devient potes, mais sans plus, hein. Vraiment, moi, très timide en plus à l'époque et tout. Un jour, je reçois un coup de fil chez moi, parce qu'avant, on n'avait pas de portable. Il dit oui, allô ? Il me dit ouais, c'est Médine. Sandwich. Mais là, j'ai eu un coup de chaud de ouf. Parce qu'à l'époque, mes parents, c'était pas de garçon. Voilà. Ah, c'était strict. Ah ouais, très strict. Mais lui, il a appelé chez toi. Il a appelé chez moi comme ça, mais. Mais t'es sérieux ? J'ai eu chaud de ouf. Hein ? Mais mes parents, limite, ils m'incitaient à ce que je l'appelle. Arrête ! Mais mes parents, ils sont pas du tout réservés ou conservateurs sur ces questions-là. Ah bon ? Ouais, mais parce que t'es un mec. Même pas. Même pas. Arrête. Mes parents, ils sont jeunes, ils sont grands, ils ont grandi en France. Ah. Non, non, mes parents, moi, c'est des fêtards. C'est des. C'est. Ouais, mais moi, j'imaginais pas du tout. Hey, c'est quand la petite copine, là ? Wesh, t'es un ouf ou quoi ? Pilule bleue. Un jour. Ah ouais, mais putain. Si je me fais remonter à cause de vous, la vie de ma mère, vous allez me payer. Il y a une raclée maintenant que je connaissais. Elle a déboulé. Bah, grosse crise, tout ça. Tu connais, moi, j'étais avec quelqu'un d'autre. De dire par peur, j'ai fait quoi ? Ouais, j'ai pris ma voiture, j'ai dit kill, wesh. Pilule bleue, j'étais en garde à vue.